Ok, voilà. La question qui est restée en suspens était celle de savoir pourquoi c'est réalisé. Hein? Pourquoi même c'est réalisé? C'est ça la vraie question même. Hein? De façon basique, hein? C'est d'écrire ces gens-ci en des termes plus simples. Par exemple, si nous ne sérialisons pas, il va récupérer, lors de l'appel de nos web services, il va récupérer les noms de ses membres. Or, vous voyez que c'est long, non? Très, très long. Et je ne vois pas qui peut retenir tout ça. D'où maintenant la sérialisation que nous allons faire maintenant. Alors, je fais virgule avec la fonction sérialise. Vous voyez, égal. Hein? C'est moi qui choisis, j'ai dit ID. Je peux m'arrêter là. Vous voyez, je peux faire le copier-coller. J'ai dit, par exemple, non. Je mets là, P non. Je mets là, darkness. C'est-à-dire, je mets les noms que je peux facilement appeler hein, au niveau de mon web service. Donc, c'est-à-dire, c'est une façon de renommer nos membres. OK. Et compréhensible par notre web service. Donc, ici, jusqu'ici, il n'y a pas encore de questions compliquées. Lyonnaise, bon, c'est vrai que on peut mettre les L majuscules, les D majuscules, les N majuscules, n'est-ce pas? On peut le faire si on veut rester dans la nomenclature. Hein? Donc, partout, je mettais en minuscule. Vous pouvez mettre en majuscule, N en majuscule. Ici, je mets téléphone. Ici, je peux dire adresse barre de 8, email. Ou bien, pour ne pas trop aller loin, j'ai dit email. Ici, là, je pouvais dire tel. Pour dire téléphone. Pour les noms courts. Ici, je peux dire profession. Au niveau de photo, je peux dire profil. Ici, je peux dire sexe. Hein? Je fais pareil dans tous mes classes M. Localisation. Ici, ça ne me gêne pas, mettre toujours ID. Ici, je mets pays. Ici, je mets ville. Ici, je mets occupation. Ici, je mets date arrivée. Ici, je mets avoir occupation. Ici, je mets par exemple date prise. Date prise fonction. Je m'en vais dans notre, la dernière. Je fais pareil. Voilà. Ici, je mets ID local. Ici, je mets ID inscript.
Ici, je mets. Date recensement. Et le dernier, je peux dire invalide. Voilà. Voilà maintenant, on vient de générer, enfin, pas générer, on vient de sérialiser nos membres. Donc, dans la suite maintenant, on va donc entrer dans le but du sujet, c'est-à-dire écrire nos méthodes que nous allons transformer en méthode globale. OK. S'il n'y a pas de questions jusqu'ici, on peut passer à la question suivante.